Pour l'instant, ce n'est encore qu'un taureau de papier mâché, mais les enfants se pressent déjà contre les grilles en attendant le spectacle. 22h, entrée en piste de Nicolas Prince, employé de la mairie et artificier deux fois par semaine. Il va parer le taureau de dizaines de fusées. Apparemment, le premier taureau des Fuegos, il a été fait comme ça, sous forme d'artifice, en 1917 ou 18. La tradition daterait même du mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. À l'époque, on avait enflammé les cornes d'un vrai taureau. Aujourd'hui, c'est un faux, mais il y a quand même quelques précautions à prendre. Là, en fait, on va partir. J'ai deux saisonniers en fait, qui vont venir là. Il y en a un qui le porte. Et on est deux à faire la sécurité en fait, pour regarder les gens, parce qu'ils sont un peu inconscients, ils veulent tous le toucher. 22h30 précise, la première étincelle jaillit. Et c'est parti pour un quart d'heure de course autour de la place centrale, au milieu de la foule. Trois tours plus tard, bouquet final. Et feu d'artifice. Après le spectacle, la photo souvenir avec les enfants. La première chose qu'ils demandent, c'est le taureau de Fuego quand on arrive sur Saint-Jean-de-Luz. J'aime bien le taureau parce qu'il fait bien du bruit. Moi, je venais déjà gamin avec mes parents et là, on perpétue la tradition. Et même pour les plus téméraires, un petit bisou au taureau.